Salut à tous, c'est Benji24 et on se retrouve pour la suite du mode carrière, donc l'épisode 2, et nous devons parler à Baron Blade. Bonjour Baron. Alors, salut Baron. Je viens d'avoir un rapport sur toi. Ah, pas mal j'imagine. Ça reste à voir, on commence à parler de toi, je vais voir si c'est justifié, si ça va dans le bon sens. Je sais pas encore ce que tu veux, y a personne pour me faire un topo, hormis ses recommandations sans valeur, je veux du précis. Bon. Alors, sélectionnez votre réponse. Bon, pardon, moi je suis là, je dis tout. En tout, polyvalent, donnez-moi une chance de te montrer. J'apprends toujours. Bon, c'est donne-moi une chance de te montrer, tu vois, je suis chaud. Et tu le temps faire, je te suis une bonne occasion de briller. Ah ouais, rien que ça, hein. Je veux pas de blabla, juste de l'action. Bon, ben, ça c'est facile. Je suis complètement d'accord, c'est facile de parler comme on dit. Un autre cliché, mais bon, impressionne-moi, si c'est pas trop en demander. Là, il se démarche là-bas, jette un oeil, il va me dire ce que tu comptes faire. On verra pour la suite. Allez. Allez, oui, j'ai. Il est content. Il y a 5 boucles d'oreilles au même endroit, il est content. Allez, voir la liste des matchs. Non, voici l'écran de la liste des matchs pour élaborer un show pour soir. Cet écran vous permet de consulter, évidemment. Excusez-moi. Après avoir confirmé votre sélection, le show de la soirée a commencé. Je. Ah, j'ai une promo. Oui, on est vert. À fond tout le monde. Ah non, d'accord, en fait, je choisis ce que je fais. Donc c'est soit. Ah, soit je fais. Écrit intervention en fait. Ok, non, j'affronte en fait Hideo et Tami. Si je veux, je fais une promo. Et si je veux, j'ai un terrain contre Bobby. C'est ça? Mon match il est là, par contre, il y a écrit mon match. Ok, ok, bon. Bah mon match, hein, les gars. Ça, je fais pas. Hein. Non, non, on va rester tranquille contre Hideo et Tami, je pense. Allez. Et nous voici arrivés pour notre première entrée. On est évidemment à NXT. On se retrouve pour un de nos matchs. Un de nos premiers matchs. Alors évidemment j'ai tenté un t-shirt. Alors mon perso ressemble à un asiatique, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais il est rigolo, faudrait juste que je change en tout cas le torse qui est très bizarre. Si je peux. Évidemment, voilà, j'ai essayé de faire un t-shirt, hein. Bon, je suis très nul en création, ne jugez pas s'il vous plaît. J'ai pris ce que j'ai pu, hein. J'ai essayé de faire, voilà, un effet méchant sur le t-shirt, en tous les cas, ça fait plus effet enfant qu'autre chose, genre, ouais, warning, je suis méchant. J'ai essayé de mettre le drapeau français, c'est plus rigolo. Essayer de, voilà, de mettre des trucs aux mains, enfin, je pense que la couleur verte, ça fait quand même bizarre. Évidemment, dans le dos, il me semble que j'ai mis quelque chose. Ah oui, j'ai mis hop là, en tout cas l'entrée quoi est tout copié. Voilà, the main game dans le dos en tout cas. Parce qu'on va évidemment on va être le main. Hein, comme on dit le main event. Donc notre entrée en tout cas. Qui est pas du tout piratée sur Corey Grave. Je trouvais que c'était une entrée stylée comme Corey Grave. Bah et plus catch plus, bah je me suis dit, on va prendre une entrée que personne n'a. Et la meilleure Alexi est rigolote et Hideo et Tami qui arrivent en même temps que je parle. Un des premiers matchs quand même, Hideo et Tami, c'est un bon début. On va essayer de le battre, je pense pas que ce soit non plus très dur. J'ai l'impression que oui, ma tête de mon perso c'est presque idéal en vrai. Aïe, je me fais mal en même temps, mais faut pas le dire. Bon, je pense qu'on va passer parce que si on regarde tous les trucs, ça va être très long. Alors, comment on joue au jeu? C'est un moment que en fait, j'ai pas fait la suite de l'épisode. J'ai fait le 1, puis j'ai eu des semaines là. Alors, comment ça joue? Ok. Je ne connais plus mes prises, hein. Je crois que j'avais des prises de base, hein. Je n'avais pas vraiment changé encore. En même temps, c'est rigolo, on invente des prises. Ah oui, j'ai carrément des prises d'HBK, on voit que c'est aléatoire. Hop. Il me semble que j'ai juste fait les coups spéciaux et tout. Je sais même plus ce que je me suis mis. Pour l'instant, on est en train de l'enchaîner. Hein. C'est parti, hein. Les prises de base, hein. Ça c'est Cody Rhodes, je crois, j'ai l'impression. Ah, on tente pas tomber. Un. Juste un, évidemment.
cas, ouais, non, le perso, faut que je le change physiquement parce que là, il est bizarre. Ses abdos, ils sont bizarres. On va lui mettre plutôt un corps. Ouais, basique, on va dire. Hop, ça part en chop, ça part au sol et on continue. Ça part en drop kick. Évidemment, il faudrait que je refasse toute la moveset du personnage, mais c'est très long. Mais il faudrait que j'y pense. Dès que. Si un jour je suis chaud, je le ferai. Peut-être pas les premiers épisodes, mais pour pas longtemps. Faut que j'ai la motive. Hop. En tout cas, le coin on aime bien. Parce que. Oh, c'est moi qui lui ai fait ça. Ok. Oh, sympa. Ça part en German et tout. Elle était sympa la prise. Sympa, sympa. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de match. J'ai l'impression que l'IDEO ne se défend pas. C'est peut-être pour notre premier match. J'ai fait exprès comme. La suite galère on galère à plus. C'est le premier match. Faut qu'il soit évidemment simple. Faut que j'arrête de l'envoyer dans le coin. Oh, puis on peut faire une prise de. Ouh. Oh, oh, oh. Par contre, faut pas que je parte trop vite. Hein. Ça se trouve, je vais perdre. Ouf. Il me semble que j'ai évasion, mais. Oh, je l'ai contré. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'ai vraiment des prises aléatoires parce que là, le truc dedans, c'est long. Ok, on n'est pas bien, on n'a plus de contre. On n'est pas bien. Tout de suite. Bon, ça va, il fait des prises. Oh, quoi, je sais plus faire ça. Oh là, ça fait longtemps. C'est rare que ça arrive, ça, dans le jeu. Ça. Voilà. C'est bon, ça me donne un avantage. Je vais prendre de l'avantage. Voilà. C'était une prise assez bizarre. Il me semble que j'ai un coup spécial. C'est parti. Hop, on attrape en mode Alabama Slime. Sauf qu'on part sur le côté. Hop là, on brise la nuque sur le genou. Il a une revanche, faut faire très gaffe. On va y attaquer les jambes, lui. Ça part en soumission, ok. Ça part en sharpshooter. En... Ouh, en sharpshooter, mais. Oh, attendez, hop. Non, je l'aurai pas en sharpshooter, je l'aurai pas. On va lâcher la prise, on va lâcher. Soit ça part en super kick. Non, pas tout de suite. Fais gaffe parce qu'en fait il a plus de contre que moi. Ce serait bien qu'il contre. Oh, je lui ai mis une claque. J'en mets une autre. J'ai pas le droit. Oh, je sais pas ce que je lui ai fait. Ça part en code breaker. En code breaker, en backstabber, décidément. Pour l'instant, IDEO qui. Ouais, qui a du mal hein, quand même. Je vais essayer de la faire une prise dans un dans les cordes, c'est rigolo. Hop, il est ici. Là. Allez, c'est parti. J'ai quoi dans les cordes? Ouh, ça sent les attaques de Kofi, ça va. Écoutez, IDEO qui va se laisser faire. On va s'en occuper. Ça va partir en super kick. C'est la fin pour IDEO. Hein. Allô, relève-toi moi-même. Allô, je suis fatigué quand même. Mon perso, il est manipulé. Allez, fais un tomber. C'est parti. 1, 2 et 3. Et évidemment, vainqueur. Moi-même. Heureusement quand même notre premier match est plutôt bien, hein, 3 étoiles, c'est sympa. Pas trop en montrer au début. Alors se battre, non, on va éviter de foutre le Dawa maintenant. On va éviter, c'est mieux. Alors, ah, on a fait, ah non, on a pas fait 3 étoiles, mais 3 étoiles et demi. Ok. Bon, ça va, c'était un bon début. Et on retrouve Baron qui est content. Merci. Eh. Gagné mon match. D'accord, d'accord. Ouais, pas mal. Genre d'impact qu'on cherche lors d'une première. Bon. Comme ce que tu as fait ce soir, on peut être satisfait de ça. Revu comme ça, essayera, je pense. Ah. Il pense. Allez. Merci, à demain. Ouais. Il a l'air pas content quand même. On sait pas trop. Que dois-je faire? Je dois quitter l'arène en parlant au gardien du parking. Alors, on peut courir, c'est vrai. On va pas parler au super sœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a rien de spécial à faire avec elle. Je pense qu'on va attendre d'être dans un show principal pour le faire. Hein. Parce qu'ici, ils racontent leur vie. Il y a qui Peyton, je crois, Kylian. Je regarde juste les têtes qu'il y a. Il y a Bob le bricoleur là-bas. Il y a... C'est qui? C'est elle, la gardienne? C'est qui? Cheryl Lagman. Bonne chance pour ce soir. J'ai déjà fini mon match, moi. D'accord. C'est pas elle, là. Oh là, j'ai fait un moonwalk. C'est toi, là. Attendez, là, je parle à tout le monde, moi. Ah oui, c'est Bob le bricoleur, lui. Il fait quoi? C'est... Non, gueule. Non, c'est... Dégage, d'accord. Pas le droit de passer. C'est Jeff Gamboa, hein. Je sais pas, c'est des vrais gens. C'est... Oh là, son épaule, elle est manipulée par un autre. Oh là là. On va pas lui... Ah, mais c'est le mec jaune, putain, mais je suis con. Michel! Salut Peyton, on va lui dire bonjour quand même, allez.
On n'a pas des radins. On dit bonjour aux gens. Si j'avais, ne serait-ce que la moitié de la pouvoir. Oh là, de la pouvoir! Ok, on a de la science, Stéphanie, j'aurais bien plus de succès. D'accord. Ça va, toi, derrière Stéphanie, en mode ouais, je l'adore, je l'adore. Allez! Allez, viens là. Salut! Ouais, allez. Tu as besoin de quelqu'un à aller chercher ta voiture? Oui. Oui, j'ai fini. Merci! Allez, c'est parti. Allez, on est de retour, parler à Baron, hein, comme d'hab. Oh, est-ce qu'on peut prendre des chaises? Genre dans les mains et tout. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de trucs, donc. Mais je fais quoi là? Oh, c'est dommage, je m'attendais. Ah, mais je me fais bloquer par la chaise. Bon, on va pas parler aux gens comme d'hab, et c'est par là. Alors, toujours les mêmes gens, bonjour, au revoir, merci à tous. C'est pas lui qui gérait je sais pas quoi. Merde. Salut! T'es qui? Chris Colbert, je suis impatient de te voir sur le ring. Tu m'as saoulé quoi, tout ça pour venir ça. Allez, on parle plus jamais. Allez, on y va. Non, j'ai pas le temps. Je peux y aller. Merci. Salut. Pardon. Baron, salut. Attends! Ok. Pourquoi je dois attendre? Un match contre l'un de nos meilleurs gars, ça te dit? Il répond même pas. Vas-y, montre-leur à tous que tu as la place au ring. Mais évidemment que j'ai la place, sinon c'est mort pour toi. Mais oui, j'ai rien dans le sang. Vas-y, vas-y, je vais me montrer. Ouh, je suis chaud, vas-y, ouais, je suis chaud, vas-y, je vais le taper. Et on est de retour avec toujours notre entrée. Évidemment. Tintin. Nous sommes là toujours pour notre deuxième match de cet épisode et notre dernier match. Et j'ai vu sur la carte qui on allait affronter. Et c'est Cassius Ohno. Je ne connais pas vraiment. J'ai vu quelques extraits de ce match. Je connais pas très bien NXT en vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas vu NXT. Pourtant c'est là où il y a les meilleurs matchs. Mais bon, c'est pas grave. On va affronter un mec d'NXT en tout cas. Parce qu'on a NXT MDR. On est toujours dans l'entrée et on va avancer un peu. Allez. Petite entrée qui est rigolote. Donc Cassius Ohno, voilà, qui est là pour nous mettre des boules à meurtre presque. Il me semble que son coup c'est un peu comme Wade Barrett, comme Magnus Barrett. Ou alors c'est un coup de poing. Enfin je sais plus exactement. Je vais pas dire de la merde. Allez. On avance, on avance, on avance. Allez, mais faut que j'arrête de tousser, bon. C'est parti! Coup de poing! Oh, je l'ai mis dans le vide! Oh, voilà! Oh, attends, oh là, attends, problème! Là, je fais de la merde déjà! Oh, je me fais déjà ridiculiser quoi! Attendez, hop là, on prend. Il a 4 finish, 4 contre! Pardon! Et j'en ai 2! T'es. Qu'est-ce que c'est? T'es. On est bien, on est bien, on est bien! Mais. Qu'est-ce qu'il nous veut? Bobby? Bobby veut quoi? Eh, hey, Bobby! Il peut pas contrer. Oh, j'ai failli contrer, mais je crois que c'est incontrable. Bobby qui nous attaquait en traître. Baron, eh, hey, je viens de me faire attaquer. C'est chiant. C'est tout calme d'un coup. Ouais, ça peut arriver parfois. Oh, c'est super calme. Ouh, ça pique. Je te crois, oui, c'est pas le champion en titre pour rien. Ah ouais, on s'est fait attaquer quand même. Bon, ce sont pour toi, si c'est pas au meilleur de ta forme, tous les sorts, tu l'auras pas. Tu ne l'auras pas. J'aurais cassé sans ça. Bobby va aller au tapis. Essaye d'éviter que ça arrive. Bobby va aller au tapis. Moi, je vais envie. Voilà. Bobby va en prendre plein la tête là. Peut-être. Tu verras. C'est pas en discussion avec un producteur comme moi que ça arrivera. T'as pigé? Mais me parle pas alors. J'ai pigé? Mais il fout. On garde ça dans un coin de ta tête. C'est très calme. Le son du jeu, j'ai l'impression qu'il s'est enlevé entre temps. Hein. Bon, bah écoutez, on est là entre nous. Hein. Sans son. Ouais, il s'est fait des zigzags sur sa tête. J'avais pas vu. Regarde. Bon, le son du jeu est revenu, mais c'est calme. Nous, en tout cas, voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter cet épisode. On va les quitter, voilà, quitter l'arène. Je pense c'est bien pour quitter l'épisode. On a Hideo, mais comme on l'a détruit, on lui parle pas. Ça, c'est le mec de Sanity. C'est tout ce que je sais. Peyton qui est toujours là-bas, elle a pas bougé. Elle. Et à droite, toujours pareil, toujours Micheline. Elle est toujours là. Hein. Et ça, c'est. Il y a un mec caché.
Allez, on se casse. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, surtout, voilà. Salut! Discussion. Prêt à partir? Je peux aller chercher ta voiture. Non. Je déconne. Oui, tu m'as le choix, merci! J'adore ma vie. Allez.